très très frustrant. Très frustrant, on a joué une partie du match à 10 contre 11, on n'a pas su faire la différence, même avant on avait le match en main, on a eu des situations qu'on n'a pas mis au fond, après on se fait punir. Je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir, même s'il y a, voilà, il y a cette erreur d'arbitrage à la fin. Mais on va dire qu'on ne va pas se reposer sur ça, on doit faire le boulot avant. Et je pense qu'on doit, prendre l'avantage avant. Voilà, on a grillé notre joker. Maintenant, il n'y a plus que deux petits points avec la zone rouge derrière nous. Il va falloir qu'on prenne nos responsabilités et qu'on essaie de faire des résultats dans les gros matchs qui nous attendent là. Moi, sur le pénalty, j'ai revu les images. Pour moi, il y a 100 fois pénalty. Quand on siffle le pénalty pour le PSG dimanche dernier, on doit le siffler pour nous. Les deux gardiens sont à distance de bras. Il ne le pousse pas, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Il y a une main clermontoise, il y a pénalty. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Quand le PSG, s'il est arrivé ça à une grande équipe, il y aurait eu pénalty. Pour nous, il n'y a jamais pénalty. Donc ça frustre. Je ne vais rien dire, je vais me calmer parce qu'on s'est déjà un peu pris le bec avec le quatrième arbitre à la fin, sans rien vous cacher. Ça frustre vachement, mais au-delà de ça, ce n'est pas une excuse. On aurait dû gagner le match avant et c'est une erreur de notre part aujourd'hui. Un petit peu, aujourd'hui, on s'en est créé pas mal et on ne les a pas conclus. À nous de travailler maintenant pour être un peu plus efficace que ça. On va avoir des matchs compliqués en plus qui arrivent, donc il va falloir être très efficace si on veut essayer d'avoir des résultats positifs. Le calendrier n'est pas facile. Non, le calendrier n'est pas facile. Après, contre les grosses équipes, je pense qu'on a toujours rivalisé. À nous maintenant de rivaliser et de faire plus pour essayer de prendre les points parce qu'on va en avoir besoin. Derrière nous, il y a des confrontations directes entre les équipes qui jouent le maintien, donc forcément ça va bouger. Donc à nous de ne pas se reposer sur nos lauriers et de repartir de l'avant vite, même très vite, parce qu'on a un match qui arrive dans 3 jours, là, dimanche.